Oh non, j'ai pas fait 4-5 crènes. Une fois que t'as dit, t'avais reset deux fois, je crois. Une fois par perso et... J'ai fait plein de directs, je crois. Et un ou deux resets sur les deux autres. C'est déjà très bien. Après, j'ai un peu d'heure sur le jeu aussi, donc pour ça. Bon, j'ai même un peu de centaines d'heures sur le jeu. J'allais dire, à mon avis, il y a 2-0 dans le chiffre. C'est le jeu du père. Bon, Honda, ça s'est pas trop mal passé. En fait, le problème de Honda, c'est que dès que tu veux sauter, il te fait son espèce de main là, grand coup de main là. Oui. Et ça c'est horrible, ça, tu peux pas sauter et si tu vas vers l'avant, il te balance le main rapide ou quoi. Je crois que la main, ça dépend de quand t'actives ton coup, si le mets ou pas. Ça c'est fort possible par contre, je crois qu'il y a pas mal de... C'est pas le seul coup d'ailleurs qui fonctionne peut-être comme ça. Parce que des fois, faire des sauts à vide et mettre des coups au dernier moment, ça exactement, passer, tout à fait. Sinon, il se met sur le garde trop tôt. Comme on était là, c'était en vision en fait, Ah ouais, tout à fait. Mais tu peux même, Bison, tu peux même le hit pendant qu'il fait son Psycho Crusher, là, son attaque spéciale, même en sautant avec un coup de pied, si t'as la bonne frame, tu le touches. Moi, il te touche aussi, mais tu le touches. J'ai eu un coup de bol, je l'ai eu juste sur le frame, mais... Et au début, son Psycho Crusher, il est vulnérable. C'est pas le cas dans d'autres versions. De toute façon, à partir du moment où il saute vers l'arrière, moi, je sais que par exemple, avec Ryu, je balance un Hadouken direct. Ouais. Parce que tu sais qu'il va le faire. Dès qu'il commence à sauter vers l'arrière, c'est pour faire des Psycho Crusher, de toute façon. Mais arrête de sauter. Ah, 20 secondes sur la voiture. Non, mais arrête. C'est secret, voilà quoi. Oui. C'est ce qui lui permet quand même de gratter pas mal de temps sur les deux autres, hein, mine de rien. Ça doit faire une douzaine de secondes peut-être en tout, sur les deux. Ouais, c'est possible, hein. Je dirais, de vraiment, au juger, je dirais ça. Ce qui est déjà pareil, ça te fait un mi-combat, quoi. Vega, mais oh non, Vega qui va me pourrir ma run. Oh, je crois pas. Oh non, je déteste quand il fait ça. Oh non, il me fait la super attaque. Oh, 43 sur Vega, c'est terrible. Il m'a fait son attaque sur le grillage là. Ah oui, oh là, tu perds tellement de temps. Ah, j'avais 6 secondes d'avant, je suis reparti avec 14 secondes de retard. Merci, au revoir. Ouais. Ça c'est fait. Bref, la strat du tuto de sauter au moment où il part, ça fonctionne sauf avec Zangief. Zangief est trop. Par contre, les coups de pied sur Saga, c'est terrible. Oh non, mais non. Ah non, mais il est sérieux, lui. Et en général, ils ont vraiment un problème avec leurs pieds. Genre Balrog ou Saga, tu sais, tu peux vraiment les enchaîner avec des coups de pied vers le bas. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment la bonne distance en fait, qui fait que par exemple avec Ryu notamment, tu peux vraiment enchaîner Saga avec des coups de pied vers le bas, quoi. Faut pas se priver de ça, hein. Ah bah, mais t'as mais dégage. Mais non. Des coups de pied vers le bas, tu peux faire. Juste papier, c'est un peu. Les balayettes là, ça marche bien, hein, pour enchaîner. Le problème c'est que c'est lent parce que t'attends qu'il se relève. Sinon... Ouais, mais bon, ah, contre Dalsim aussi, si t'as le bon timing, il bouge plus. What? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes speeds? Oh, j'ai fait n'importe quoi avec mes speeds! Ah, mais parce que j'ai appuyé sur tous les boutons pour enlever le stun. Oh, je sais pas comment j'ai fait. Non. C'est vrai. Je suis sûr que je suis en sub-set, mais je sais pas du tout. Oh, on te fait confiance. Dommage. Non, oh, je vais refaire une, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour timer. N'importe. Pour arrêter le stream. Mais non, mais j'ai pas de record. Parce que je suis pas sur main. C'est pas, tu t'arrêtes le stream? Tu regardes le stream? Mais je suis pas sur le stream. Ah, il est en train de 2. Ah, pas du tout. Bah oui, donc j'ai rien. Bah, j'ai rien. Rip. Oh, je suis trop lent. Speed to me.
essayer de faire comme c'est tout court. Hein. Ah, ça passe au-dessus. En toute façon, j'étais pas en pivot. Je vais essayer donc, je fais n'importe quoi là, je testais un truc. Pas testé en graine. Mais les gars, pas trop quoi. Bah, vaut mieux tester en graine qu'en raise, quoi, tu me diras. Oui. C'est quoi, merde ? Il dit, me troll pas trois fois de suite, Vegas, s'il te plaît. Ouais. C'est seulement. T'as lancé quoi ? Oh, c'est pas vrai, j'ai raté complètement. Ok, je suis à moins 12 après Vegas. T'es resté sur LOL ? Ouais. Il me dit si tu lances que je change un peu de scène. Moi j'essaie de finir une run avec la fille et après hop. Ouais, tu sais quoi, je vais la garder lui parce que j'ai quand même envie de finir une run avec chaque perso si possible, c'est pas mal. Et après je fais du Zangief et je vais essayer de faire des belles runs avec Zangief. Parce que là c'est un peu n'importe quoi, des persos que j'ai pas travaillé. Des persos que t'affectionnes ou Zangief ou... Bah j'aime bien. Mais après je le trouve plus intéressant de travailler avec les autres parce qu'il est un peu plus dur. Mais Chun-Li, normalement je devrais pouvoir faire des gros scores avec elle, c'est un perso que je devrais maîtriser. Parce que là je fais test, je te fais beaucoup de pieds avec elle. Mais non. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Non. 6-40. Après, ce qui est fort avec Chun-Li, c'est sa palme, là, quand on est très près, qu'on donne le double coup de poing, là. Ouais. Il fait mal. Avec un bison dégueulasse. Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Je pense qu'il y a des enchaînements à faire autour de ça. Voilà.